Moi c'est Lucas. Moi c'est Colline. Moi c'est Manon. Et on est tous les trois en première année à l'IAE de Saint-Etienne. J'ai fait un bac S, donc je suis venue à l'IAE. Moi j'ai fait un bac ES en Haute-Loire au Puy-en-Velay et spécialité maths. Après j'ai fait un bac ES aussi à Monistrol-sur-Loire et spécialité économie approfondie. Après 2 ans d'université spécifique dans le sport, je voulais trouver un cursus un peu plus général et du coup on est tombé sur l'IAE. J'ai choisi cette formation parce que j'étais en bac ES et que l'économie et les maths, je retrouvais ça à l'IAE. Moi j'ai choisi cette formation parce qu'elle offrait plusieurs débouchés après la licence générale et que aussi c'était dans la continuité de mon bac ES. Chercher un cursus qui me permettait de monter une entreprise ou d'être dans le domaine de l'entreprise et au sein de l'étudiant j'ai trouvé l'IAE. J'ai connu l'IAE à travers un étudiant qui est intervenu en terminale et qui m'a expliqué la filière. Moi j'ai connu l'IAE quand je suis allée dans un forum de l'enseignement supérieur. Déjà, on n'est pas désinventé par rapport au lycée, c'est-à-dire qu'on retrouve un mode de fonctionnement qu'on avait déjà au lycée. On a des cours en groupe maximum de 60, ce qui fait que ça permet l'interaction, pas comme dans les autres universités où on peut être 200, 300 par amphi. Et ensuite, l'école est à l'écoute, c'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quel problème, c'est-à-dire administratif ou scolaire, n'importe quel professeur sera vous guider. Ce qui est bien dans cette école, c'est qu'on a un emploi du temps très flexible, que la semaine est bien organisée, qu'on a le temps de réviser pour que les contrôles continuent. Et qu'on a un BDE très dynamique qui nous permet d'avoir des voyages comme cette année, c'est Disneyland. Pour moi, le meilleur avantage de cette école, c'est qu'on a des contrôles continus tous les vendredis après-midi. Et ce qui nous permet en fait de ne pas avoir une semaine de partiel et ça permet un apprentissage progressif dans les matières. Voulant lancer dans l'entrepreneuriat, j'envisage de faire un master dans le management pour peut-être me filer dans le management sportif. Moi, je pense faire un master en alternance, soit dans le domaine de la finance, soit dans le domaine du management. Moi du coup j'aimerais bien analyser tout ce qui est les besoins des populations locales et gérer la négociation du travail en équipe. Du coup j'envisage de faire un master en économie dans le conseil en développement territorial.